Plusieurs fins sont possibles. Je penche pour une forme théâtrale ou cinématographique. J'envisage un grandiose tableau final que la linéarité du récit serait bien en peine de produire, quelque chose qui ressemblerait au dernier travelling de Citizen Kane, quand, se détachant progressivement des monceaux de caisses contenant les chefs-d'œuvre plus ou moins douteux accumulés par Hearst, la caméra, s'élevant en contre-plongée, les transforme en un ensemble de gratte-ciel, comme ferait une vue aérienne de New York, puis se rapproche du four béant où l'on jette des objets de toutes sortes, dont la petite luge d'enfant de Mark Rosebud. Mais ces gestes me rappellent aussi les soutiers d'antan qui lançaient leur pelletée de charbon dans la chaudière du vapeur Béarn que commandait mon grand-père Baptiste. À force de contempler la mer à travers mon hublot, s'est fait jour en moi le besoin d'une scène. Je devrais dire plutôt qu'il y a installé en moi une scène qui veut retrouver sa place dans le monde, voir s'espacer d'elle-même, fonder des semblables à distance, hors de son lieu propre. N'est-ce pas d'ailleurs en quoi consiste le théâtre? Un prolongement de la navigation considéré dans ses effets d'implantation lointaine. Oedipe à Cologne, l'italienne à Alger. Un amphithéâtre en appelle un autre, une scène en rappelle une autre. Ainsi, de mon palais, ce que me reflète tous les jours mon miroir quand je me gargarise, c'est une salle à l'italienne. Mes dents, rien ne ressemble mieux que mes dents supérieures à ces bandeaux blancs parallèles qui formaient le ciel des théâtres paroissiaux, tout en retenant une idée de voilure, ondoyant non plus sous l'effet du vent, mais de la lumière des ampoules qu'ils dissimulaient. Mes dents inférieures sont des spectatrices, bien rangées, à l'orée de la grotte, où glissera de ma langue la salivation quasi marine qui donne aux planches un temps plus compressible et plus dilatable que le nôtre. Aux portes des coulisses, car les coulisses font partie de mon spectacle, j'ai mis des armoiries, des rébus qui racontent la fin du pyjama, ou ses fins, le classique naufrage bien minuté, avec ou sans mutinerie préalable. L'important est qu'on comprenne qu'il n'y a plus d'opposition entre la mer et la terre. C'est ça aussi le théâtre. L'annoncier le dira. On croirait un spectateur comme les autres. Assis au premier rang, à côté de la femme au manteau de vison qui sectionna la queue de pied du calipige, comme on se retrouve, le monde est petit. Il se lève de son fauteuil, il est coiffé d'un haut chapeau conique, il porte une cape de soie gris-noir, une sorte de poncho où sont brodés les signes du zodiaque. Il se dirige vers la porte de la coulisse, côté jardin, dont il explique les armoiries en les effleurant du bout de sa longue baguette étoilée. Ces planches qui s'entrecroisent allégoriquement, comme aux fenêtres d'une maison abandonnée, deux planches pour faire la nuit était un titre de nouvelle que Monliot avait emprunté à une didascalie du théâtre de Sade, c'est ce qui reste du pyjama. Cette barricade greffée à la porte de la coulisse l'enseigne aux yeux naïfs, comme faisaient jadis pour les foules illettrées les chapiteaux, les vitraux qui illuminaient les cathédrales. Mais ce sont de vrais débris du pyjama, les traces de son impact, de son naufrage voulu, il témoigne de sa fin dans les lumières de la rampe qu'il longea et qui entendit un temps le clapotis de la mer que le navire s'approchant apportait avec lui jusqu'à ce qu'une langue d'eau pas plus large qu'un fleuve les fit sombres riverains l'un de l'autre. Lors de cette phase qui ne dura pas plus de 2 heures, rappelle l'annoncier, tous les regards étaient rivés sur la base de basalte et de lave autour de laquelle ne cessaient de se former des nénuphars de dentelle. Dans la nue accablante, on braqua des projecteurs, des sirènes, eh oui, retentirent. Tout l'équipage fut sauvé. Puis le discours reprit ses droits. La lingère Wisbach passa au rabot de son accent yankee la jeune Tarentine d'André Chénier. Elle a vécu Myrtot. Ce n'est pas un passé simple, mais ça n'accomplit du présent, précise l'annoncier qui regagne son siège et ajoute, en remettant de l'ordre dans son costume, « Le théâtre est né de cette doublure des temps, comme d'habitude. » Vous connaissez la suite. Son beau corps a roulé dans la vague marine. Il est assis. Il oublia de préciser que la mère qui portait le vaisseau disparut dans la fosse d'orchestre qu'elle creusa, mais le rideau qui se lève ne lui laisse pas le temps d'apporter au spectateur ce complément d'information peut-être inutile, puisqu'ils peuvent constater que ni le parterre, ni les baignoires ne portent la moindre trace d'humidité. Bormann reprend du café. Donc, le rideau se lève.